Salut tout le monde, c'est Steph59. Alors aujourd'hui je vous présente une petite vidéo, le monde de Morphée. Une piste créée par Mac Corenzi en mode trial, qui fait partie de la Team of 5. Et cette piste, vraiment, on en prend plein les yeux. Donc je vais vous montrer le classement. 59e pour le moment. C'est pas mal. Bon, jamais d'œil d'or, mais je vise la platine. Hein. Je referai une vidéo ultérieurement quand j'aurai la platine. Mais cette piste mérite d'être partagée. C'est pour ça que je me précipite un peu pour faire cette vidéo. Je vous laisse voir par vous-même et vous verrez qu'il y a un gros travail sur la piste. Et c'est parti. Donc, je sais pas où est-ce qu'il va chercher toutes ses idées. Mais c'est puissant. Ça bouge de partout, c'est coloré. Peut-être qu'il rêve la nuit et je sais pas. Alors ma Corenzi, personnellement, je tenais à te féliciter pour cette œuvre d'art en fait. C'est une très belle piste. Des jolies couleurs, des effets. C'est même plus en fait. On regarde tout le temps la piste. Et ça va très vite quand même. Kaboom! Et là, avec l'avion, franchement, c'est. Et c'est parti, boum boum boum. Alors il y a cet effet Matrix. Qui est canon en fait. Ça repart. C'est une piste où on en prend vraiment plein les yeux. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais bon. Franchement, pour moi, c'est une tuerie. Donc, n'hésitez pas à aller la chercher sur le live. Vous ne le regretterez pas. Alors, un petit coucou. Une petite tour Eiffel. Tout est translucide, c'est. Rien que là, les faisceaux qui suivent là. J'ai du gros boulot sur l'éditeur personnellement pour arriver à faire ça. Et on arrive à la fin de la course. Donc voilà. Un gros bravo à Mac Corenzi. Et on enchaîne sur une autre piste de Dragon Mickey. Qui fait partie aussi de la Team of 5. Legend of Iryu. Et c'est une piste aussi costaud que la première. Franchement, c'est vivant. Donc, vous verrez, c'est un peu plus côté sauvage, un peu moins dans les rêves. Un peu plus ancien. Et c'est parti, go! Voilà, faut monter. Des pistes où je vais m'acharner quand même pour essayer de décrocher la platine. Et là il y a ce dragon qui met un coup de pression quand on joue. Puis c'est tellement bien fait en fait que bah, tout bouge. L'étale au sol.
Et le dragon, bah, il veut nous bouffer. Donc faut aller très vite. Attention! Il est fou, ce F59, il est fou. Et voilà, c'était la fin de la deuxième piste. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais un petit coucou. Et à bientôt sur ma chaîne. Allez, bye bye!